aussi monde dans Chicago et municipalité Chicago reconnaître après un pile parler qui fait mais reconnaître monsieur comme une fondateur de Gardi et Visa comme fondateur de Visa. Alors c'est premier résident, premier étranger qui est venu là et qui était descendu donc dans la nappe gardienne pour au fleuve là, c'est fleuve Chicago qui sont fermés et qui tellement sorti dans la crise de vie. On va faire l'histoire pour raconter nous justement passé pour nous tomber là. Ce côté là n'a pas gardé là. Justement, c'est que là-dedans, il y a un croisière, alors pas croisière, mais c'est un petit monde qui a flané et sous bateau mouche, quand on va faire une visite. Le statut, ça n'a pas gardé là, c'est le statut exactement, c'est Baptiste Pendoussa. C'est un statut que l'Amérique d'origine haïtienne, Leslie Benoudin, et Météophrie Citya, Météophrie Municipalité, pour être honoré et héritage que Jean-Baptiste Pendoussa fait. Il y a un peu de discussion qui fait et maintenant ça n'a pas été là, je dis assez vers ça. Nous devons parler avec quelques membres du comité organisateur. Nous allons parler avec d'abord et plus bonheur parce que c'est une célébration qu'elle fait là. Ensuite, après célébration, il y a un discours, il semble qu'il y a un bon représentant du pays d'Haïti, et c'est le consul là, et M. Emmanuel, et bien lui-même l'a présent. Et bonjour, voilà ma présence, nous, il y a un pilier mouvement, et Jean-Baptiste Pendoussa, il faut avancer plus ici, c'est M. Pierre-Louis, c'est lui qui est président de l'association Héritage et Fondation, moi direct. Donc, alors, mesdames, vous saluez les spectateurs de la voix d'Amérique aujourd'hui. Et dit, pour ça, je dis, nous, ici, là. Oui, mesdames, saluer tout le monde. Bonjour de ce que nous venons pour nous suivre. Ça l'a fait là, dans Chicago. Nous avons célébré le fondateur de Ville Chicago, Jean-Baptiste Pendoussa. L'ex-Semac. Alors, bonjour, Semac, qui a écouté là. Nous connaissons que nous sommes ancêtres, nous, Soti et Semac. Et puis, ils viennent fonder Ville Chicago. Donc, chaque année, nous célébrons ça. L'an Moli, c'était l'an fin et août. En 1818. Donc chaque année, nous venons pour nous mettre en fleur, bon statut, pour nous parler avec tout le monde. On prend donc une sorte de réunion en bâtonnel que nous faisons là chaque année, qui va commencer et dans quelques minutes là. Donc nous remercions nous toutes de ce que nous venons joindre nous là. Donc pratiquement aujourd'hui, alors qui est en célébration, qui ça nous vient dans le menu en Sénégadi, alors les spectateurs, même si nous ne sommes pas présents, mais la vadame qui a porté le nous quand même, mais docteur Pélo, on va pouvoir dire nous, qui ça au moins qui vient dans le menu pour aujourd'hui à nos quatre ça. Oui, d'habitude, il y a trois parties dans sa affaire. La première partie, hein, c'est cérémonie, côté on a mis des fleurs et bon statue. Donc c'est ça que nous allons faire là, on a dit quelques mots, on a expliqué tout le monde pour qui ça nous là, si c'est officiel, il y a dit deux, trois mots. Deuxième partie, hein, c'est un tour que nous baillons du sable héritage et offrir un tour côté que nous marchons tout au long de la rivière Chicago, rivière jusqu'au lac Michigan, et côté que nous avons raconté l'histoire de Jean-Baptiste Pendoussa avec comment Chicago était fait et du sable des villes mauriciens, les contrats avec Indiens, les mariés avec une lada, et c'est comme ça que la ville Chicago a commencé. Troisième partie, hein, c'est là nous finissons faire tour dans Kounia, hein, et nous allons du Sable Harbor, et c'est là que il y a une membre de New York qui a offert une activité culturelle. Et il y a une dame qui est en Potawatomi qui va parler, expliquer justement, parler de Kilti et Potawatomi. Et puis il y a un coquin ballon qui représente la tête du sable qui a gonflé. Que nous avons la troisième partie. Hein. Voilà. Donc nous avons souhaité que l'année qui vient, nous venons de Chicago pour nous assister à la cérémonie. En pile de taille, oui. Merci un peu, le Dr. Pierre-Louis, pour si on s'en passe avec les spectateurs de la voix d'Amérique. Il y a monté la Kounia là pour brancher sur nous, pour qu'on s'en passe. Donc justement, la voix d'Amérique sur place et n'importe quoi justement pour nous faire connaître exactement qui est là. À bientôt. Merci un peu. Et qui est en situation, donc nous exactement votre statut, mais ce n'est pas seulement le Dr. Pierre Dunon qui l'a. Il y a tout l'autre membre, alors son sorte de. Est-ce que c'est une sorte de coalition et Paul. Est-ce que c'est une sorte de. C'est une coalition qui fait et qui vous mettez mouvement ça sous pied. Jean-Pierre, ça nous est aujourd'hui.
c'est pas comme ça va être commencé. Va être commencé, on a l'autre effort. Pour que tu aies des chercheurs et alors haïtiens pour qu'ils font eux-mêmes, qui basent sur ces recherches qui étaient faites exactement, pour te parler un petit peu, et pour te parler un petit peu de Jean-Baptiste de ça. Donc nous, justement, Paul. Et présenter tout le respect de la voix d'Amérique, parce que nous, c'est pas seulement ça, aujourd'hui, c'est pas qui commence aujourd'hui. Pour faire un gros effort que le pays, et c'est plusieurs chercheurs haïtiens plus forts qui ont même participé. Alors, dis-nous, qui va être commencé? Oui, après, c'est, non, moi, c'est Nicolas Paul. Nous sommes membres de SAB Association, et puis, il y a un événement que nous faisons chaque année. Ça, c'est pour nous honorer dans la mort de Tissab, le fondateur de Chicago, qui ont haïtien qui sont simples. Donc, le deuxième événement, nous faisons chaque année aussi son gala qui pour aider nos Race Cup pour l'organisation pour Tissab. Donc, le deuxième événement, c'est en mars. Votre participation, ça, c'est pas spécial parce que c'est M. Mouri le 29 août. Nous avons toujours célébré le round de troisième, quatrième semaine de mois d'août. Voilà. Alors, nous demandons à Tadea, qui a été commencé? Qui a l'idée de venir chercher qu'on est et du sable? Qui a l'idée de venir tomber dans la tête, nous, venir tomber sous nous et puis venir intéresser à ça? Oui, en principe, Dr. Pierre-Louis, qui est fondateur d'IHE, c'est un monsieur pendant le ministère. De la profession médicale et puis de commencer à entendre parler de tout ça. Et puis, je forme un groupe de médecins haïtiens ici à Chicago il y a 25 ans de cela. On nous bat sur un bien crédit pour tout un ça depuis qu'il y a une organisation. Moi-même, moi, l'organisation, il y a près de 7 ans de cela. Bateau à guettant coulé, même moi nous style à gouverner, nous chargez Dieu pour nous prier. Peut-être nous l'âge dans mes aînés, mais nous besoin condamnés. Chaque monde qui bien heureux passé, nous pendant nous pas gâtés. Gâté, gâté, ta nous, mon vie consigne l'éternel, nous l'état doux. Nous pas ton noir, nous, c'est ça que peine pas. Depuis nous qu'a mangé un pain avec le sucré, nous a respiré, mais devant nous qu'a vivre nous juste pas existé. Nous gommons pour nous baiser à pouvoir, pourtant c'est au grand bagaille ou empiré. Qu'il est nava sorti nous fait noir, nous mal, mal, mal. Faut bourgeoisie qu'a bébé y a nos coups, y'a qu'un pouvoir et qu'un franchise nous pas tout. Y'a qu'un fait la loi et y'a qu'un bébé tout pour y honnête. Yo bon yé bandit, tu le bourgeoisie. Lé yo envie, fais nous pas capant la ri. Yo yé pouvoir et yo kembe tout pour yo honnête. Yo pi à l'aise que policier. C'est yo même celle qu'autorité. Qui l'en a fout dénoncer. Si zè pouvoir yo. Yo pi à l'aise que policier. C'est yo même celle qu'autorité. Qui l'en a fout lever. Campé dans les yé bourgeois. Peine pas, je me café de voir nous l'est, oui nous l'est, physiquement, mentalement, nous l'est, nous plus l'est, hey, nous l'est.
parlais de tout ça. Et puis, j'ai commencé à faire recherche avec deux, trois autres médecins qui étaient restés ici pour Chicago. Et puis, qui mettaient le soupir. Et puis, il y en a un petit projet que j'ai, c'est pour nous faire chose que vous connaissez, ça, Jean-Baptiste Pondissable, de fait ici dans le Chicago. Deuxièmement, nous avons un projet pour nous bâtir le port, que nous avons travaillé sur lui depuis plus de 20 ans aussi, pour nous honorer Jean-Baptiste Pondissable. Parce que comme premier habitant, premier businessman, premier monde qui bâtit le port ici dans Chicago, si vous regardez derrière nous là, exactement côté à Boston, là, et là derrière nous, c'est là que j'ai établi. Comme ça, c'est un homme qui est très bien éduqué, il crée tout business de feu, il commence depuis lors. Parce que c'est ça que nous là, on a honoré la mort de Jean-Baptiste Pondissable. Alors d'abord, est-ce que Ville Chicago, c'est une municipalité là? Il y a des difficultés pour nous répondre, il y a des accords avec des matchs que nous avons fait. En principe, depuis le combat, la politique là, il est toujours. Pas facile. Oui, nous toujours gagné des lacunes, nous toujours gagné des monde qui pas vraiment reconnaître ça, monsieur, des faits, bien que tout va être documenté dans l'histoire, qu'on a joué dans tout archive. Votre monde a conscient de temps pour accepter que le fondateur Villa, c'est un haïtien qui sort de Saint-Marc. C'est important, c'est important. Après, c'est oui. Et même discussion, même sous. Est-ce que c'est monsieur ou que c'était qu'on l'autre? Oui. Pas un petit peu de canadien, ça. Après, c'est pas. Monsieur, c'est le premier monde qui bâtit Kaïs. Bon, à l'époque, nous entendons des rumeurs que c'est Kenzie. Kenzie, c'est un Canadien qui devait vivre ici, qui a fait business à monsieur dans le business, qui a pris un feu. Et puis que monsieur le fini, monsieur qui dépose l'Ivan, Kali à 15 ans. Puis là, nous avons des rumeurs. C'est la chance pour nous, tout le monde documenté, qui est même dit que le transféré Kali monsieur à 15 ans. Comme vous avez toujours dit, bon, c'est 15 ans, premier habitant, premier serveur, premier européen, qui n'était pas vrai, parce que Jean-Baptiste, c'est le premier habitant qui construit un Kali. Qui a évidence parce que c'était un titre à l'époque. Chicago pas même bien côté de report pour formaliser cette transaction. Par la tribunal a fait juste Michigan. Et tout document ça a été. So, c'est l'histoire et puis c'est la vérité. Et je vous dis, on a marqué, monsieur, on a dit que la vaccination s'est faite en 1945 et il mourut en 1818. Donc, pratiquement, monsieur est entré ici dans l'année 1775. Voilà. L'année de l'été. Mais nous pas venus dans la recherche qui dit qui est autre que monsieur qui était à Haïti. Nous pas venus dans la recherche jusqu'à présent. Oui, mais en principe, les gens, vu que l'histoire l'a dit, monsieur pas vraiment remet Haïti parce que Haïti était dominé avec les Français. Que monsieur était décidé pour un bateau parce que papa qui est en français. Papa était éduqué monsieur comment pour naviguer bateau, tout le bateau à l'époque. Monsieur prend décision pour quitter Haïti. Premier côté, monsieur était, c'est Louisiana. Comme on a dit, l'histoire a dit que le monsieur de Louisiana à l'époque, monsieur ouais, domination française a été assez élevée. Habillé, monsieur, c'était pour un noir qui est libre. Parce que monsieur était moitié français, moitié soit solide et libre. Le monsieur de Louisiana, qui n'est pas vraiment aimé, et puis ouais, ça arrive à sortir juste ça. Monsieur Sécurité, ils ont des choses. Monsieur quitte Louisiana, et puis monsieur. Vivez dans le coin ça là que avantage que mais c'est côté idéal. Idéal parce que nous rivière rencontré avec le lac là, ça veut dire que nous doit sortir jusqu'au Canada, tout le côté, faire rencontre, nous doit sortir plus nécessité, monter dans le lac. Ce qui était, objectif, monsieur. Voilà. Merci un peu, l'après-midi pour nous traîner. Merci un peu Paul pour tirer ensemble ça qu'on baptise pour cette année là. D'ailleurs, content, il a réagi là. Il y a me poser des questions, me demander nous. Et ville ça, c'est la troisième ville. Et alors, je ne vais pas nous, le samedi, c'est la troisième ville après New York
et Los Angeles, qui militait, et bien, grand pile, qui est bien éduqué, qui était connecté avec ça, il est Chicago. Voilà. Oui, merci un pile, et merci un pile, Paul, pour renseignement ça. Et nous, là, nous sommes là, c'est justement pour débattre. Et ça qui a passé, justement, dans tout le mouvement, l'activité qu'a fait aujourd'hui, pour marquer, justement, et ça, là, il est l'amour. Et l'amour, il va disparaître ça, certainement. Les choses avaient été faites, c'est en 29 août. 1895, donc c'est 1918. Donc, je célébrer le jour pour te marquer. Et c'est chaque année qu'il y a un effort qui a fait. Et nous avons une fondation et une association héritage pour du sable. Mais vous avez eu d'autres démarches à faire pour que vous soyez. Au moins, vous avez eu nous bas. Vous avez d'abord que si tu es d'accord pour vous mettre plus ça dans nos lits. Ensuite, vous avez eu l'autre côté qui est le Harbor Drive. Vous avez changé notre nom. Vous avez eu le lit du Sap Drive. Donc, c'est une série de réalisations qui a fait pas à pas, doucement, doucement. Mais il y a l'autre encore qui a fait. Vous avez besoin de faire pour vous. Il y a travail qu'on a pu faire ça, une sorte de parc. Ou pas. Exactement sous rivière ça on a regardé derrière nous là qui est rivière Chicago et bien la rivière Chicago ça il sortit depuis dans Mississippi dans l'état Mississippi et bien il passe tout côté pour passer et il vient dormir dans le lac Michigan. Donc ça veut dire que nous comprenons nous même qu'à faire navigation qui j'envoie à la télé et justement quand Paul fait dit nous ils disent que les monsieur de quitter Haïti des grands gens bien spécifiques. Il n'était certainement pas d'accord avec l'occupation française dans l'époque là. Et M. le premier côté, M. était descendu, c'était en État Louisiane, mais là, il est là toujours. Il dit ouais, que le français était là tout. Donc, M. qui n'est pas d'accord, M. continue à faire voyager. Et c'est là, M. arrivé ici, là exactement, M. trouvé ce côté idéal là pour l'hériter. Et bien, c'est comme ça que M. ouvert. Alors, on a tout, M. c'est un aventurier, c'est un commerçant, c'est un explorateur. Il parle tout le monde qui vient. Et, mais depuis longtemps, il y a un combat qui a fait exactement, lutte qui a fait pour te reconnaître, monsieur, comme vrai fondateur. Mais il y a plus de fait pour faire fédéral, pour faire national, pour les Américains, quelque chose à côté de l'habitude, quelque chose à côté de l'État américain, pour connaître tout. Pour connaître que Vichel, Sarah, les Chicago, c'est pas. Et les Canadiens qui étaient Bali, mais c'était exactement Jean-Baptiste Moussa qui lui-même. Était contre travail avec Canadien puis il était venu quand propriété qu'il était possédé et il était compris que c'est monsieur qui était premier c'est le premier syndicat du colon donc le premier monde qui était venu premier étranger qui était venu mais et l'histoire a apporté que c'est Jean-Baptiste Moussa qui était premier résident qui était arrivé là et là lui là c'était la joie la contentement mon certainement pas de moi étranger qui venait alors on a parlé et indien ou qui habitait là mais pas de moi étranger qui était comme ça mais c'est une célébration des fêtes d'accueil et monsieur était senti que les ça il était effectivement la carrière et voilà donc c'est ça on a regardé aujourd'hui à là c'est la nuit aujourd'hui on a pas non pas des là on a regardé là on a combattu là ce côté alors grand pile activité touristique dans ce moment là responsable exploité et rivière là ou bien fleuve là ils exploité bon, il y a des gens qui font tout, c'est tout pour aller de leur côté, etc. pour aller là. Voilà, et je pense que tu parles ça nous fait là, c'est très bon. Et nous bien content que nous l'avons, nous bien content que vous accompagnez nous, comme tu fais toujours, et bien voilà. Et moi, c'est Jean-Baptiste Philippe, qui a salué nous, exactement. Pour ça, quand je me fais là, je suis exactement pour Jean-Baptiste Point du Sac. Donc, nous comprenons, il y a un petit changement qui a fait dans le feedback que le journal. Tant n'a pas avancé, puis devant, tant n'a pas avancé, c'est tant que les autorités municipales et les plus à reconnaître. Et Jean-Baptiste Philippe, ça pour ça que les militaires, pour ça que vous présentez aux villes de Chicago. Donc, moi, je suis là, c'est bien content que nous là. Et l'année dernière, c'était Valérie qui était là. L'année avant, c'est moi qui étais là. Et peut-être l'année prochaine, c'est pas moi qui vais vous faire là. Mais nous là, on a fait ensemble. Voilà, salut à tout le monde. Bonne journée, bon week-end, jeudi à ce samedi, rappelons, soit conduit, pas consommer alcool, et si consommer alcool, ou pas conduire machine, et non plus que pas capable de manger dans une voiture à un monde qui saute consommer alcool. Donc, il y a un petit peu de monde qui a parlé là, et monsieur, ça n'a pas gardé ce côté de la lampe, si nous sommes capables de faire nous-mêmes, monsieur, nous tiens, puis bien,
Monsieur Célic, alors c'est un chef avec une petite communauté, contribution dans la célébration en tout, donc un chef de musique natif, natal, indien, et je l'aime bien souffrir, souffrir, fit la même chose, monsieur. Donc c'est ça, puis bamba nous idée de monde qui commence à réunir là pour toute activité. Yo. Donc là, nous avons idée au moins de monde qui là, même qui venir, c'est des habitués. Et nous parlons exactement dans le côté que nous sommes divers comme ça, et déposé dans l'église, nous voyons ça qui est mené exactement. Et ici, là, ici, à Ronablo, c'est dans le Midwest. Donc, c'est une peut-être une ville, une ville d'activité là-dedans. Et ici, parmi les orateurs qui ont pris la parole, il y a un représentant de la municipalité certainement qui est capable de là, qui est en santé, dans la préparation qui a fait le jour, qui est ambassadeur ou bien consul haïtien dans Chicago, c'est monsieur Emmanuel. Et bien, probablement, il y a un orateur. Voilà, là, sont très fréquentés, très fréquentés, tellement de activités, monde qui veut passer, monde qui a fini. Et là, comme c'était là, on vient pour participer, non, ça, on les croisière, mais bon. Donc, ça, c'est une intersection là. Et alors, il y a un gros magasin, entreprise américaine, c'est Apple Fee. Ce côté-là est exactement dans le côté que je ne sais pas si vous avez construit le premier carré dans ce pays, exactement dans l'emplacement. Ça, c'est ça que nous jeunes cours dans la recherche que nous faisons. Et nous avons rencontré tout avec M. Jean-Baptiste qui a parlé de nous. Hier, nous avons regardé un pavillon. Alors, en droit, le pavillon a été en 1893, l'exposition internationale qui a été faite. Et bien, le gouvernement haïtien, dans l'époque-là, et bien, il a été désigné, et dans Haïti, c'est un pays noir qui était présent dans Paris, qui était présent, et bien, il était venu, et il était construit, et il était venu participer dans là-dedans, et participation ça, il était seulement, il était surtout, et gagné là-dedans comme représentant d'Haïti, moi qui est représentant d'Haïti, c'est pas de moi haïtien, c'est un consul. Et américain qui était en Haïti et qui était en relation avec le gouvernement dans l'époque, et bien c'est Frédéric Douglas, l'ambassadeur des consul et États-Unis dans l'époque, on a parlé de Frédéric Douglas, qui même tout, c'est un descendant d'esclaves et qui même esclave, mais qui était tout sacrifié et qui était tout à défendre et esclaves. Alors, il y a un discours que j'ai prononcé dans l'époque, il était rappelé, nous qui étions dans l'assistance. Et liberté, ça que nous avons vu aujourd'hui, alors on va dire un discours. Liberté, ça que nous avons vu aujourd'hui, nous n'avons pas de ville si Haïti n'a pas fait effort pour les faire pour les sortir dans l'esclavage. J'explique bien, bien, pour faire ça, dans sa famille. Félix de Grasse, c'est exactement ton orateur, c'est ton incapable conférencier. Et même il était représenté à Haïti et c'était fait des démarches pour Haïti présenté où ça a été délié dans l'époque là. Mais il était toujours souple que Haïti soit là. Il était maintenant tout ça. Et puis l'Haïti qui est indépendant, c'est pour ça que Haïti. Il était dans la position que dans l'époque là. Donc imaginez aussi, monsieur, tu es à l'œuvre et je dis à la parler, la regarde Haïti encore. Est-ce que le discours là est différent de ça qui a été prononcé dans l'exposition universelle de Chicago? Eh bien, nous saluons nous tous. Nous disons passer une très bonne journée en compagnie de la Bonne Amérique. Continuez à visiter et
et plateforme Mio pour donner des nouvelles. Nous avons une interview d'ailleurs que nous faisons avec Dr. Pierre, qui est membre fondateur fondation et association et Foundation qui est Point du Sable. Et monsieur, il y a près de 25 ans que monsieur était ici à la possession de ce monsieur était ici. Et je ne sais que monsieur a fait. Bon après-midi, tout le monde, n'a pas encore, puis encore, n'a pas encore. Bye bye.